présidente, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sébastien Jakubowski, je suis le directeur de l'INSP de l'Académie de Lille. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans notre amphi de Villeneuve-d'Ascq et pour les personnes étudiantes, étudiants et collègues qui nous suivent à distance. Je vous souhaite également la bienvenue. Je vous remercie de votre présence et participation à cette journée d'études. Le programme doit être affiché derrière moi. Non, c'est moi que l'on voit. Il y était. Voilà, c'était mon anti-sèche. Nous allons avoir quelques propos introductifs de démarrage à trois voix. Donc, tout d'abord, Monsieur Alain Frugière, qui est professeur des universités et qui est le président du réseau des INSP, en plus d'être bien sûr directeur de l'INSP de l'Académie de Paris, qui nous fait l'honneur et l'amitié également d'être présent à distance pour ces quelques mots également introductifs de la part du réseau des INSP. Il y a également Madame Lauer, qui est la représentante du DAZN du département du Nord, qui prendra la parole, et puis je prendrai également la parole après ces deux interventions, avant que Mathieu Clouet prenne la parole pour l'Académie de Lille et permette ainsi d'achever cette première séquence des propos introductifs à cette journée, l'école, territoire vivant au cœur des valeurs de la République, qui évidemment nous y reviendrons dans un contexte marqué par les derniers événements et l'attentat d'Arras, prend une coloration évidemment tout à fait particulière. Nous avions prévu cette journée de longue date avant ces événements. Hein. La programmation est faite avant les vacances d'été. Parfois, nous ne sommes pas toujours ravis finalement d'avoir un peu raison trop tôt. Mais il n'en demeure pas moins que cette question est vive, et parce que je sais que le président du réseau des INSP, Alain Frugière, a un calendrier très, très contraint et un rendez-vous avec le recteur de Paris, donc je lui cède immédiatement la parole pour qu'il puisse intervenir. Merci Alain de ta présence. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? C'est bien ? Vous m'entendez bien ? Parfait. On t'entend. Bon, merci. Merci beaucoup. Donc, merci, monsieur le directeur, cher Sébastien, chers collègues, vous faisons grade de qualité, chers étudiants. Je suis très heureux et très honoré de dire quelques mots pour introduire cette journée d'études organisée par l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France, qui est intitulée L'école, un territoire vivant au cœur des valeurs de la République. Et je m'excuse, tu m'as déjà excusé, mais je suis vraiment désolé de ne pas être présent physiquement parmi vous. J'aurais bien aimé l'être, mais voilà, comme on a tous nos contraintes, comme le directeur vient de le dire, j'ai une journée assez chargée avec un rendez-vous au rectorat ce matin avec le recteur et cet après-midi. Nous avons aussi une demi-journée d'études consacrée à l'éducation contre le racisme et pour l'égalité, en partenariat avec la Fondation Identura. Alors, quelques mots très très brefs, mais d'abord pour remercier bien sincèrement le directeur de l'INSP de l'Académie de Lille, Hauts-de-France, Sébastien Jakubowski, de m'avoir invité à dire ces quelques mots pour introduire cette journée d'études. Et féliciter aussi Sébastien pour cette initiative d'organiser une journée d'études sur une thématique qui est aussi essentielle que les valeurs de notre République. Je crois que tu l'as abordé, mais en particulier dans la période que nous vivons, c'est d'autant plus méritoire, puisque nous venons de vivre des moments tragiques, vous en particulier, bien évidemment, dans votre académie, avec l'assassinat de notre collègue Dominique Bernard, dans le cadre d'un attentat terroriste qui a été perpétré par un islamiste. Donc, ça nous rappelle, je crois, à quel point il est essentiel de partager, de transmettre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, qui sont nos valeurs, on dirait, cardinales. Alors, au-delà de cette journée, je remercie également Sébastien pour son investissement au sein du réseau des INSP. Il joue un rôle moteur et de premier plan pour donner du sens à notre mission de formation des enseignants, des CPE, des psychologues, notamment dans sa dimension citoyenne. Je rappelle, mais vous savez bien évidemment toutes et tous, que le Code de l'éducation, dans son article L111.1, précise que la nation fixe comme mission première, à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Alors ces valeurs s'inscrivent dans notre histoire, je dirais, depuis la Révolution de 1789, et même plus tôt encore, si on considère l'esprit des Lumières, et si on relit les textes de Molière, par exemple, certains de ses contemporains, quand ils refusaient les dogmes pour passer, non pas pour le plaisir de les refuser, bien évidemment, mais pour les passer au crible de la raison, on peut le retrouver, si on le lit actuellement, l'école des femmes ou Tartuffe, c'est déjà très clair.
Puis avec la Révolution, le projet d'instruction publique de Condorcet de 1792, on franchit l'étape essentielle. Et avec Condorcet, dans l'espace scolaire, ce qui est dispensé, ce sont les savoirs, savoirs étayés par la recherche, les savoirs, et non pas les opinions, les croyances, aussi respectables soient-elles. Avec Condorcet encore, le pari est fait de la raison émancipatrice. Et ce pari, c'est aussi celui qui a été présent tout au long de notre histoire, la Commune de Paris, il y a 100 ans après la Révolution française, à peu près, notamment avec Louis Michel, qui a ouvert des écoles mixtes pour défendre les principes républicains et qui était une militante, qui défendait la rage de savoir, qui, selon elle, pouvait permettre l'émancipation seule, pouvait permettre l'émancipation des peuples. Pardon. Donc, les valeurs de notre République, vous allez en parler, bien évidemment, tout au long de cette journée, mais partage cela, elles sont intangibles, elles ne se négocient pas, elles ne s'adaptent pas au gré des événements, en fonction de l'actualité, en fonction de telle ou telle religion ou philosophie. Et je dirais que c'est particulièrement important, cette période, la période que nous vivons actuellement, où le repli sur soi, le communautarisme, l'intolérance, voire la haine, s'affichent malheureusement quotidiennement et de façon décomplexée en France et dans le monde. Je vais juste, avant de conclure, permettre de citer un jeune poète afghan réfugié en France depuis 2021, Ramin Mazar, qui est actuellement artiste en résidence à l'INSPE de Paris, et qui déclarait il y a quelque temps « La liberté est mon obsession et mon essence, c'est elle que je chante, chéris, défends. Elle devrait aller de soi pour les hommes, pour les femmes, offerte à la naissance comme l'air que l'on respire. Le concept, hélas, est inconnu des talibans, il est afghan bien sûr, et de leur idéologie qui gangrène nos cerveaux, alors je lutte à ma façon, entendez bien sûr, par la poésie. » Donc les valeurs de notre République sont un instrument, je dirais, de libération humaine, de raison et de connaissance. Il nous faut servir la République. Par là, je veux dire protéger les conquêtes d'un système qui s'est progressivement imposé à la France depuis, encore une fois, je le disais, la Révolution 1789, et qui a notamment permis un enseignement gratuit, un enseignement laïque, un enseignement obligatoire pour toutes et tous. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, et vraiment, je souhaite une bonne journée d'études, bien évidemment, à l'INSPE de l'Académie de l'Île-de-France. Merci vraiment de m'avoir permis de dire ces quelques mots, et surtout merci d'avoir organisé cette journée qui est vraiment essentielle et importante, je crois, pour nous toutes et tous. Cher Alain, un grand merci de ces mots forts pour commencer à introduire cette journée d'études au nom du réseau des INSPE. Je pense que c'est effectivement très important ce que tu as dit pour introduire bien sûr cette journée, mais aussi pour montrer le rôle que joue l'école et le rôle que contribuent à jouer les INSPE dans l'écosystème de l'école, avec un E majuscule dans la formation des enseignants, dans la formation à la citoyenneté et dans la difficulté aussi collective qui est la nôtre à pouvoir faire en sorte que les valeurs de la République puissent de la meilleure des manières prendre vie, prendre corps au cœur de nos territoires pour les relier à la thématique de la journée et faire en sorte que bien les choses, puisque tu as pris de la profondeur historique, puisse se poursuivre ainsi encore longtemps. Donc un grand merci à toi. Merci à toi. À vous. À demain, Alain. Demain. À demain et très bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Je vais céder la parole maintenant à Madame Loer, qui représente le DAZN du Nord. Monsieur Côté, le micro fonctionne pour une prise de parole. Merci. Bien, bonjour à tous, je m'associe à ce qui a été dit au début de cette journée, c'est-à-dire que moi aussi je me réjouis d'ouvrir cette journée d'études avec vous sur un sujet aussi important que celui de l'école et des valeurs républicaines. Et je m'exprime donc au nom du DAZN, Olivier Cotet pour le Nord, qui aurait aimé aussi être là avec vous ce matin. J'ai été sensible au titre, l'école comme territoire avec un singulier et non pas un pluriel. Entendu pour moi comme un lieu qui, depuis la Troisième République, incarne et transmet les valeurs qui nous unissent tous dans notre République indivisible, laïque, démocratique, sociale. J'ai pensé, en lisant le titre, aux propos tenus par Gambetta le 4 septembre 1870 au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris, « Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée ».
Pour nous aider à veiller sur la cité, les Républicains, cela a été dit, à l'issue d'un 19e siècle un peu turbulent, hein, qui souffla à la fois sur deux républiques, deux empires, deux monarchies entrecoupées par quatre révolutions, ont voulu assurer au nouveau régime républicain sa stabilité grâce à l'éducation. Il y a donc là une promesse, quelque part, dans la République, d'éduquer ces jeunes générations, d'où les lois Jules Ferry qui ont été rappelées, enfin l'ensemble des lois Jules Ferry de 1881-82, instaurant en France un enseignement primaire fondé sur trois piliers, hein, sa gratuité, son obligation et la laïcité. Le Code de l'éducation a été rappelé, hein, son article 111.1 est extrêmement important puisqu'il donne pour mission à l'école de lutter pour des valeurs, certes, mais des principes qui, pour chacun d'entre eux, sont répercutés dans notre droit. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Alors pour en faire une lecture, hein, l'égalité, oui, car l'école, dans cet article, contribue à l'égalité des chances. Elle lutte contre les inégalités sociales, territoriales, en matière de réussite scolaire et éducative. La fraternité, oui, car l'école reconnaît que tous les enfants partagent cette capacité d'apprendre, de progresser, de se former, tous les enfants, y compris donc cette scolarisation inclusive. La liberté, car le droit à l'éducation doit permettre à chacun de nous de faire sa vie quelque part, hein, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer, bref, de devenir un citoyen. La République, pour citer le discours prononcé par le président de la République à l'occasion de son 150e anniversaire, le 4 septembre donc 2020, est, selon lui, bien une transmission, une volonté jamais achevée, toujours à remettre sur l'ouvrage, en quelque sorte, hein, qui se transmet de génération en génération et à travers tous les événements de notre histoire jusqu'au plus douloureux récemment à Arras. Cette mission de transmission revient à l'école, elle nous revient. Et vraiment, je remercie Monsieur le directeur de l'INSPE, je remercie le rectorat, l'équipe Valeurs de la République d'être aussi engagée dans cette mission de transmission. Car c'est à l'école qu'il revient de faire partager aux élèves les valeurs en leur faisant acquérir le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. À elle de faire de nos élèves des citoyens. On pense aux mots de Ferdinand Buisson, je suis remontée un petit peu moins loin devant l'histoire. Pour faire un républicain, écrivait-il, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit, lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi, ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit. Notre école, et je cite là le ministre de l'Éducation nationale, hein, ne doit donc jamais céder sur les valeurs qu'elle défend. Et le programme de cette journée répond bien à cet engagement. Par votre présence, par la présence des chercheurs, des inspecteurs, des professeurs, des formateurs, vous pourrez cet après-midi échanger pour construire ensemble des réponses aux défis qui se posent aujourd'hui à l'école et à la société, hein. Vous pourrez vous inscrire dans les missions données à l'école, territoire vivant au cœur des valeurs de la République. Vous allez vivre un moment universitaire, pédagogique, mais surtout, vous allez vous mobiliser pour toujours continuer à transmettre. Donc, merci à vous tous pour votre mobilisation, pour vos réflexions et pour tout ce que vous allez pouvoir construire ensemble pour bien que ces valeurs soient incarnées par l'école et que vous puissiez aller convaincre ces élèves qu'elles sont le cadre nécessaire à notre vie dans notre République. Merci à vous tous. Merci beaucoup, madame, de votre présence et également pour les propos que vous avez tenus. Je le disais tout à l'heure, et puis vous l'avez également rappelé, Alain Frugière également l'a fait. Je l'ai dit, cette journée d'études et sa programmation, finalement, ont été, comme je l'ai dit, programmées, envisagées dès la fin de l'année universitaire dernière. Nous programmons notre cycle de conférences et nos journées balisées dans l'agenda généralement et de plus en plus tôt dans le calendrier de l'année pour l'année suivante. Et évidemment, la programmation de cette journée croise l'actualité très récente et dramatique qui a été rappelée de l'attentat qui a été perpétré à Arras le vendredi 13 octobre dernier au lycée Gambetta. Et ça nous invite en tout cas à colorer, en tout cas, notre réflexion envisagée précédemment
peut-être d'une autre manière, ou en tout cas d'accentuer cette réflexion au travers d'une tonalité qui est évidemment tout à fait particulière. Pour nous, puisque nous sommes dans l'Académie de Lille, nous sommes évidemment les plus proches, nous sommes évidemment particulièrement concernés par cet acte nouveau terroriste qui a frappé l'école de la République. Et je voudrais dire aussi, bien sûr, vous représentez le département du Nord, mais notre territoire est celui de l'Académie, avoir aussi une pensée de soutien pour les collègues du département du Pas-de-Calais, qui, depuis plusieurs mois, sont touchés, affectés par plusieurs événements importants et difficiles à gérer, jusque les inondations dans le département du Pas-de-Calais cette semaine. Et donc je voudrais solennellement apporter un soutien collectif aux collègues du département du Pas-de-Calais qui, pour des raisons que vous comprenez bien, ne pouvaient pas être présents ce matin. Je voudrais dire aussi, avant de contextualiser un peu plus largement cette journée, que cette réflexion autour de l'école et des valeurs de la République nous renforce dans l'idée, ou en tout cas me renforce dans l'idée, qu'on fait aussi peser sur l'école et sur les enseignants un poids qui aujourd'hui est très important, peut-être trop important, point d'interrogation, en tout cas je soulève la question, et que ce poids symbolique, politique, social que l'on fait peser à l'école doit aujourd'hui nous inviter aussi à réfléchir bien sûr sur l'école, mais de manière aussi plus large sur la manière dont les institutions publiques peuvent et doivent tenir leur rôle et leur mission et sur les moyens qu'on leur attribue pour qu'elles puissent l'exercer au sein de l'ensemble du fonctionnement de l'État et de l'espace public. Alors vous l'avez dit, et puis Alain l'a également rappelé, l'école va au-delà de son rôle et de sa mission de transmission, d'apprentissage. C'est bien effectivement un véritable territoire, mais j'ai entendu ce que vous avez dit sur ce qui vous avait interpellé sur le fait que le territoire soit au singulier. Il est vrai, et pour ma part je le fais, qu'on met souvent les territoires au pluriel. C'est une vraie question. Y a-t-il un territoire qui est celui de l'école ou des territoires qui sont ceux de l'école? Y a-t-il une seule école ou y a-t-il plusieurs écoles? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais en même temps, il y a un seul cadrage pour l'ensemble de l'école, et ses missions fondamentales, quels que soient les territoires dans lesquels les enseignants sont plongés, doivent être remplis. Ce territoire ou ces territoires contribuent évidemment à forger la citoyenneté, à faire en sorte que des individus d'origine très différents puissent se rencontrer au sein de cet espace particulier qui est celui de l'école. Et évidemment, cet espace est amené à devoir travailler un certain nombre de valeurs. Les valeurs ne vont pas de soi. Les valeurs, bien sûr, peuvent se transmettre, mais elles se heurtent aussi parfois à certains principes fondamentaux, et ça a été dit tout à l'heure. Les valeurs sont ce qu'elles sont, mais elles sont aussi où elles doivent également servir en tant que principe d'action. Et tout ce que fait l'école, et notamment la transmission des savoirs, doit permettre de venir éclairer à la fois les principes et les principes d'action que sont les valeurs. Alors l'école est évidemment un lieu de partage qui permet de bâtir et de construire ce que nous avons toutes et tous en commun. C'est aussi un lieu qui permet de montrer les divisions, qui permet de montrer en tout cas les débats, les controverses qui peuvent s'opérer au sein de la République. Et donc nous devons être collectivement garants de sa capacité à pouvoir permettre aux individus de s'émanciper au sein de l'école, dans un cadre évidemment laïque, en donnant la possibilité aux élèves de pouvoir s'interroger, comprendre et mieux comprendre, la possibilité de pouvoir construire, bâtir et vivre au quotidien les valeurs que les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative essayent de leur transmettre et leur transmettent. Je dis essaye parce qu'on sait bien que ça n'est pas simple, sinon il n'y aurait pas cette journée d'études. D'autant plus que les valeurs peuvent parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrer en tension entre plusieurs horizons d'action et de représentation. Alors c'est le sens de cette journée d'aujourd'hui qui vise à interroger le sens que l'école donne aux valeurs, et puis le sens que les valeurs ont et qu'elles contribuent également à conférer à l'école dans l'articulation et dans les liens entre égalité, liberté, fraternité, capacité d'exercer une autonomie de pensée, de jugement au cœur du territoire, mais aussi des territoires de la République, puisqu'on sait bien que la République est une et indivisible, mais en même temps elle est aussi complexe dans sa manière
de pouvoir relier l'ensemble de la communauté nationale. Et pour ce faire, nous avons besoin des éclairages de la recherche, des temps de réflexion collectifs, en plénière, mais aussi en atelier. Et vous avez vu le programme de la journée s'y prête particulièrement. L'école est bien, en ce sens, un lieu commun, un bien commun qui permet aux élèves de faire l'expérience de l'articulation entre intérêt individuel et intérêt collectif. Et la construction de ce bien commun permet, en tout cas c'est la mission que nous lui donnons collectivement à l'école, de faire en sorte que les individus et les citoyens puissent ensemble, et les citoyens puissent ensemble se bâtir et se construire ensemble un avenir et un devenir. Évidemment, les missions que l'on attribue à l'école sont nombreuses, peut-être encore une fois trop par rapport aux enjeux qu'on lui attribue. Il s'agit bien sûr de former les citoyens dans le respect des diversités, de permettre cette émancipation intellectuelle autour de la connaissance, maîtrise, production et transmission des savoirs avec l'esprit critique nécessaire, d'expérimenter aussi la démocratie, et je crois que c'est l'un des enjeux sans doute les plus importants aujourd'hui par le biais de la participation à différentes instances de gouvernance universitaire et scolaire, et puis également de contribuer, de participer à la promotion de l'égalité des chances. Ainsi, dans le quotidien, l'ensemble des enseignants, des équipes éducatives participent à l'ensemble de ce projet. Ce qui est clair également, enfin ce qui est clair et ce qui éclaire également le rôle de la République et le rôle de l'école dans la République, c'est évidemment le fait que les valeurs ne sont jamais acquises, mais elles sont toujours à être conquises et à conquérir. Et dans ce cadre, l'école nous rappelle l'importance des horizons d'action, j'ai dit que les valeurs étaient des principes d'action, mais aussi les idéaux pour lesquels et par lesquels l'ensemble des collègues et l'ensemble de la communauté éducative parvient à promouvoir une certaine vision de ce que peut être l'école hier, enfin de ce qu'elle était hier, de ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout peut-être de ce qu'elle sera demain. Pour conclure, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui ont répondu présentes et présents à notre invitation pour contribuer, participer à cette journée d'études, venir l'éclairer chacune et chacun avec la richesse de leur regard, avec la richesse de leur expertise, qu'il s'agisse des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, des collègues représentants de l'université, des services académiques, des directions académiques de l'Académie de Lille, des enseignantes et des enseignants, puis bien sûr des étudiantes et des étudiants. Je voudrais également, bien sûr, plus particulièrement remercier les collègues de l'INSP qui ont œuvré et qui vont œuvrer tout au long de cette journée pour une pleine réussite. Je voudrais féliciter Madame Elena Salazar, qui est facilitatrice graphique et qui sera avec nous tout au long de la journée pour, d'une autre manière, nous faire part de son regard sur l'objet que nous travaillerons aujourd'hui. Je voudrais remercier et féliciter Corinne Vézirian, qui est l'organisatrice en chef de cette journée. On peut l'applaudir, Ismaël l'applaudissait. Enseignante en histoire à l'INSP et chargée de mission laïcité citoyenneté à l'INSP, qui, avec l'ensemble du service recherche, Florène et Caroline, Florène est aux côtés de Corinne, on peut les applaudir également. On tout fait pour faire en sorte que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles pour vous toutes et tous, avec l'appui également des services transversaux de l'INSP, le service communication qui est présent, les services patrimoine et logistique, l'audiovisuel, la régie, et puis la restauration. J'espère que vous déjeunerez bien ce midi. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée de travail, une très belle journée d'études sur cette thématique vivante, au cœur du territoire de l'INSP et de notre académie. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, la parole est maintenant donnée à Mathieu Trouet, qui est du coup lié à l'IPR, référent équipe académique, valeur de la réponse. Voilà, merci Florène pour le lancement. À vous Mathieu, on va vous céder la place.
Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je dis mesdames, messieurs, vous connaissez la formule, hein, vos grades et qualités. Et puis, bien évidemment, mes chers collègues, anciens, actuels et puis futurs. Je remercie vraiment beaucoup monsieur le directeur de l'INSPE et puis Corinne Désirian pour leur aimable invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je retrouve toujours avec plaisir ces journées d'études qui régulièrement ponctuent notre déroulement annuel et nous permettent de nous ressourcer et puis d'échanger nos réflexions et notre énergie. Alors, il m'a été demandé d'intervenir sur la chose suivante, l'équipe académique Valeurs de la République 2. pour une approche citoyenne des valeurs à l'école. Bon, je dois à l'honnêteté de vous dire que je n'ai pas choisi le titre de cette intervention. N'y voyez absolument aucune plainte de ma part. Il me convient tout à fait, je m'empresse de l'ajouter. Il me convient parce qu'il suggère beaucoup de choses, parce qu'il convoque beaucoup de choses et puis il ouvre beaucoup de portes. Non, si je le précise, c'est parce que je vais vous demander dès l'introduction de me pardonner. Je ne définirai pas les termes du sujet comme la plus élémentaire rigueur me commanderait de le faire. Mais en fait, le titre est beaucoup trop riche pour que dans les 15 minutes qui viennent, je puisse évidemment en faire complètement le tour. Donc ce que je propose, c'est plutôt de l'éclairer au fur et à mesure, et puis d'aller directement au postulat sur lequel il se fonde, et puis à l'angle que j'ai retenu pour cette communication. Alors le postulat me semble être qu'il existerait une approche citoyenne des valeurs de la République, c'est-à-dire une approche qui a sa spécificité. Je dis postulat parce que l'intitulé, vous l'avez entendu, il évite tout faux suspense. Vous connaissez peut-être la formule d'Engels, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Eh bien là, l'approche citoyenne, elle existe. La preuve, c'est que le AVR s'en occupe. Bon. Au-delà du clin d'œil, c'est une volonté aussi de dire que dans les deux cas, s'agissant du pudding et de l'approche citoyenne, on est inscrit dans le réel. Nous aimons les uns et les autres, et c'est normal, c'est notre formation, c'est notre cœur du métier, nous aimons bâtir des cathédrales de lumière. Mais nous sommes là, les deux pieds dans le réel, quand on parle d'approche citoyenne des valeurs de la République, mes collègues l'ont dit précédemment. Par ailleurs, avoir un postulat, ça ne nous dispense pas de nous interroger. Si vous me permettez de prolonger une dernière fois la comparaison culinaire, avoir la preuve de l'existence d'un pudding, ça ne nous dit pas de quoi il se compose. Et à titre personnel, ça reste un mystère pour moi, je dois vous l'avouer. Mais il en va de même, en fait, pour une approche citoyenne des valeurs. Dire qu'il y a approche citoyenne des valeurs ne dit pas quels sont les traits spécifiques de cette approche. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui fondent la façon dont, dans nos écoles, nous allons approcher les valeurs de la République ? Voilà l'angle de réflexion que je vais essayer de retenir et ce que je me propose d'aborder avec vous à gros traits. Alors, je commencerai par rappeler, comme mes collègues l'ont fait précédemment, que, comme nous en sommes tous convaincus ici, la mission de transmettre, ou plutôt de faire partager les valeurs de la République à nos élèves, est centrale dans l'institution scolaire. À deux reprises déjà, nous avons évoqué l'article L111-1 du Code de l'éducation. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. C'est dire que ça n'est pas seulement une affaire de conviction, c'est une obligation professionnelle. Et c'est le premier article du Code de l'éducation ce qui en souligne l'importance. Ces valeurs sont la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect de l'égale dignité des êtres humains, le refus des discriminations, la laïcité. Il est clair qu'elles forment un ensemble cohérent. Philosophiquement parlant, vous y retrouvez le projet de l'humanisme, le projet des Lumières, qui se fonde sur le primat que nous accordons à la dignité humaine. Primat, Madame Lauer l'a rappelé tout à l'heure, primat qui est inscrit d'ailleurs dans des textes à valeur normative, qui est fondé en droit. Vous le retrouvez dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la Constitution de la Ve République, dans la Convention de sauvegarde, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits, etc. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'elle forme aussi un ensemble cohérent politiquement. Politiquement au sens non partisan du terme. Il faut rappeler que notre République, ça n'est pas seulement un régime politique.
La République, c'est aussi un projet. Et c'est un projet qui se fonde sur le rassemblement volontaire d'hommes, de femmes, de citoyens, en vertu de leur autonomie et de leur capacité à passer au crible de la raison toutes les questions qui se présentent à eux, qui se présentent à elles. Autrement dit, c'est un régime qui repose sur la capacité que chacune et chacun d'entre nous va avoir de prendre sa part dans ce que Frédéric Worms, le philosophe, a conceptualisé sous l'idée de perpétuelle réinvention démocratique. Autrement dit, les valeurs de la République dont nous parlons, elles ne sont pas un simple supplément d'âme que nous donnons à nos enseignements. Elles sont en fait l'armature intellectuelle, philosophique, sensible, qui va permettre à des jeunes gens, le moment venu, de s'intégrer dans la cité sur laquelle Gambetta nous appelait à veiller. Elles ont donc besoin d'un lieu pour être découvertes, pour être comprises, pour être admises. Ce lieu, bien évidemment, c'est l'école. Et c'est avec cet horizon en ligne de mire, je crois, que nous pouvons approcher ce qu'est la spécificité d'une approche citoyenne des valeurs dans nos écoles. Une approche citoyenne des valeurs, c'est d'abord une approche qui est fondamentale. Et là encore, au sens premier du terme, qui va poser les fondements de quelque chose, ce quelque chose étant la République. Alors, compte tenu de l'objectif que nous poursuivons, il ne s'agit donc pas seulement de faire connaître les valeurs, comme on ferait connaître, par exemple, le théorème de Thalès. Et je prie immédiatement mes collègues de mathématiques d'excuser ce parallèle avec le théorème de Thalès, car je sais que cela va bien plus loin qu'une simple connaissance, mais vous comprenez pourquoi je l'utilise. En fait, quand on parle de valeurs, il s'agit d'un partage. Il s'agit de faire partager les valeurs de la République. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous contenter d'une pédagogie de la prescription. Il nous faut trouver la voie d'une pédagogie de la conviction. C'est à ce prix, et c'est à ce prix seulement, que nous pouvons mettre les élèves en capacité de devenir, le moment venu, d'authentiques citoyens, c'est-à-dire de parler à la réinvention, de participer à la réinvention constante de la République dont je parlais tout à l'heure. Alors bien qu'il n'y ait pas de pédagogie officielle, et c'est heureux, une approche citoyenne des valeurs de la République, c'est donc nécessairement une approche qui refuse l'inculcation. C'est une approche qui repose sur une éducation à la liberté. C'est une approche qui fait appel à la pensée critique et c'est une approche qui apprend aux élèves à s'interroger et à interroger les valeurs. Cette approche, elle va prendre en considération les trois dimensions de toute valeur. Vous savez que toute valeur a trois dimensions, une dimension qui est intellectuelle, les contenus, une dimension qui est psycho-affective, et puis une dimension cognative. L'approche intellectuelle, donc l'approche par les contenus, c'est celle qui est le plus souvent retenue par les enseignants dans nos écoles. On en connaît les risques. Elle expose au risque de délégation, en règle générale aux professeurs d'histoire-géographie EMC, et elle ne saurait suffire. Elle ne saurait suffire parce qu'il existe un caractère vécu aux valeurs, et pas seulement un caractère appris. Cependant, avant d'aller vers ce caractère vécu et sur les deux autres dimensions, je voudrais rappeler quand même que la transmission des connaissances participe pleinement de l'éducation aux valeurs dans nos écoles. Catherine Finzler a écrit des pages tout à fait passionnantes sur la question et elle parle de puissance libératrice des enseignements. Puissance libératrice des enseignements parce que, dit-elle, quand un élève parvient progressivement à dominer le savoir, il s'initie, je la cite, à une figure concrète de la liberté. Et mieux que cela, quand il découvre que l'autre, son camarade, parvient lui aussi à dominer le savoir, qu'il est capable de s'instruire, comme tout à chacun, alors, je la cite à nouveau, il aperçoit aussi la liberté d'autrui qui lui apparaît dès lors comme son égal. C'est ce qu'en des termes peut-être moins choisis,
Nous disons, nous aussi, régulièrement, les uns et les autres, lorsque nous disons que nous aidons les élèves à grandir, que nous les aidons à mûrir, que nous les aidons à se former intellectuellement. Et donc, il ne faut pas oublier que chaque professeur, et je parle ensuite de l'ensemble des agents, mais que chaque professeur, dans sa discipline, concourt à une éducation aux valeurs dès lors qu'il transmet des savoirs qui sont des savoirs objectifs et qu'il les transmet de la meilleure des façons, c'est-à-dire en éveillant la pensée critique. Toutefois, et j'en viens au deuxième point, pour que les valeurs valent aux yeux des élèves, c'est-à-dire pour qu'ils y accordent du prix, encore faut-il qu'ils les éprouvent. Et qu'ils les éprouvent au sens où il faut qu'ils les ressentent, qu'ils en ressentent le bénéfice individuel et social, mais qu'ils les éprouvent aussi au sens où il faut qu'on leur administre la preuve de la réalité de ces valeurs-là. Il faut qu'ils les testent, il faut qu'ils puissent voir si elles sont effectives dans nos établissements. Cela va donc interroger à la fois nos pédagogies, la façon dont nous enseignons ces valeurs, et puis nos façons de faire du commun dans les établissements, c'est-à-dire la façon dont nous allons incarner les valeurs au quotidien. En matière pédagogique, il est aujourd'hui admis que l'éducation aux valeurs repose aussi sur la coopération, sur la prise de responsabilité, sur les pratiques participatives, la pédagogie de projet. Tout cela, M. Jakubowski, vous l'avez rappelé en introduction, et cela s'inscrit dans une logique qui est une logique de décentrement du regard qui est naturellement portée sur l'élève lui-même, mais qui doit aussi être portée sur la classe et sur l'établissement comme un collectif. La classe est le lieu de la première rencontre d'un jeune enfant avec ce qu'on va appeler l'intérêt commun. Le respect des règles de vie de classe, la prise de responsabilité, la participation à un projet collectif, travail de recherche en groupe, la discussion, sont autant de moyens utiles à mettre en œuvre pour remobiliser la notion d'intérêt général sur laquelle va se fonder l'approche citoyenne de l'éducation aux valeurs. Et plus largement, il est important que nos établissements deviennent ou redeviennent ou demeurent dans certains cas des écosystèmes de valeurs, j'emprunte la formule, très belle formule à Abdelnour Bida, car les valeurs de la République ne peuvent être des valeurs vivantes que si elles ont une réalité, que si elles sont une réalité active dans nos établissements. Les élèves, vous le savez, sont très sensibles aux écarts qu'ils observent entre les discours et les réalités. Et donc, une approche citoyenne des valeurs, c'est aussi une approche qui va s'emparer, qui va investir tous les interstices du temps scolaire, qui va nourrir les élèves de références positives, qui va réfléchir à la place des adultes dans le cadre d'une pédagogie qui est une pédagogie par l'exemple, qui va non pas nier le réel, parce qu'on a toujours tort de faire l'économie du réel, et notamment avec des élèves, mais qui va apprendre aux élèves à maîtriser le réel. Permettez-moi d'illustrer ce dernier point par un exemple qui est bien connu aujourd'hui. Toutes les observations montrent que les entrées que nous retenons en matière d'éducation aux valeurs, lorsqu'elles sont négatives, entretiennent une forme de scepticisme, une forme de défiance de nos élèves dans la réalité de la promesse républicaine. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de discrimination en France, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de racisme en France, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes en sciences, ce serait nier le réel, et ce serait à la fois inexact et contre-productif avec nos élèves, mais il s'agit de replacer ces études-là dans la perspective plus large de la lutte pour l'égalité. Et en faisant cela, en faisant cette inversion de focale, on montre aux élèves que notre promesse est une promesse active qui génère des comportements, qui génèrent des dynamiques. Patrick Veil a écrit notamment sur l'affaire Dreyfus des pages qui sont tout à fait intéressantes. L'affaire Dreyfus, vous le savez, a été l'occasion dans beaucoup de cours d'histoire de dire ce qu'était l'antisémitisme en France à la fin du 19e siècle, de montrer ce qu'a pu être une injustice,
de montrer ce qu'a pu être l'alliance terrible d'une partie de l'état-major français, d'une partie du clergé français, de groupes de presse, d'hommes politiques. Et les élèves en déduisaient qu'il y avait là une France-Rance. Et, ma foi, ça fait partie de la réalité. Mais Patrick Veil nous dit, mais on peut aussi inverser le regard et dire que la France de cette fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, c'est une France qui est le seul pays d'Europe dans lequel, à l'époque, ceux qui vont devenir des intellectuels, des kidam, des élus, des religieux, vont se lever pour défendre un juif. C'est une autre entrée qui est réelle également et qui induit bien évidemment d'autres choses. Alors, je vais terminer pour respecter le temps. Simplement, vous comprenez que c'est donc bien l'affaire de tout le monde. Tout le monde peut, à sa hauteur, venir tenir un discours pour contribuer à cette œuvre commune. La spécificité de l'approche citoyenne des valeurs, c'est aussi que chaque agent peut, à sa mesure, apporter beaucoup ou, il faut le dire, défaire beaucoup. Et il est important que chacun en prenne bien conscience. Alors, le temps passant, je vais conclure en vous disant, et là je m'adresserai plus particulièrement à nos futurs collègues, aux étudiants qui sont parmi nous ce matin, je voudrais vous dire que c'est le discours que nous tenons depuis plusieurs années, je dis nous parce que j'associe bien évidemment l'ensemble des membres de l'équipe académique Valeurs de la République et notamment Madame Benafkir qui est à mes côtés, mais ce discours il est sans naïveté. Nous savons très bien que l'école, ça n'est pas un isolat. Et nous savons que le contexte n'est pas immédiatement favorable à une éducation aux valeurs. Pêle-mêle, les inégalités sociales, les effets pervers de l'économie médiatique étudiée par Gérald Bronner, l'impact de la mondialisation sur la course à l'identité, le relativisme qui est érigé en modèle de tolérance par de nombreux élèves, le contexte international, la désinstitutionnalisation du religieux, etc., etc. Tout cela complique énormément la tâche dans les établissements, c'est vrai. C'est vrai et ça n'est pas nouveau. En 1985, Antoine Proulx disait déjà que notre société était schizophrénique et que de vouloir, à l'intérieur de l'école, défendre des valeurs dont on se gaussait à l'extérieur, c'était, dit-il, non pas rétablir un équilibre, mais exaspérer une contradiction. Donc c'est un constat qui est ancien, qui est réel, mais, et je voudrais terminer par cette invite à destination donc, de nos jeunes collègues, futurs jeunes collègues. Même si c'est vrai, il faut se souvenir qu'en fait, une valeur, ça n'est pas seulement un reflet du réel. Une valeur, c'est aussi un refus du réel. Et que s'il n'y avait pas d'écart entre la valeur et le réel, alors il n'y aurait pas de place pour l'engagement. Et que c'est précisément dans cet écart que nous pouvons trouver les moyens d'apporter aux élèves que nous encadrons la volonté d'agir et de s'engager dans la République française. Une approche citoyenne de la citoyenneté, c'est aussi, pour chacun d'entre nous, en réalité, une preuve de notre propre engagement citoyen. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Ismaël Ferrat, qui est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, chargé de mission laïcité à l'INSPE de Versailles, et qui, par ailleurs, a son laboratoire de recherche à l'université de Nanterre. Il y aura 20 minutes d'intervention par Ismaël Ferrat, et ensuite 10 minutes de questions. 10 minutes de questions qui pourront être posées à la fois à Mathieu Clouet et à la fois à Ismaël Ferrat. Merci beaucoup.
bonjour à toutes et à tous. Donc c'est doublement un défi pour moi d'intervenir aujourd'hui. Tout d'abord parce que, un peu comme Mathieu Cloué, on m'a donné un thème à traiter qui n'était pas évident, donc je comprends la douleur de ceci. Et puis d'autre part, intervenir après Mathieu Cloué, c'est toujours compliqué. Enfin, c'est intellectuellement un défi, mais ça reste un défi tout de même. Alors, pour me permettre de reprendre mes esprits, j'aurais voulu commencer par poser une question, parce que c'est la question que je m'étais posée moi-même en préparant l'intervention. C'est le fait de savoir comment vous-même vous définissez les valeurs républiques, spontanément. Parce qu'on en a parlé depuis ce matin, mais comment spontanément vous définiriez les valeurs de la République ? Alors, devenir vaste débat, certes. Ou enfin, spontanément, si on vous dit valeurs de la République, qu'est-ce que vous pensez ? Je sais pas, un élève vous dit en cours, monsieur, madame, c'est quoi les valeurs de la République ? Allons-y, triptyque républicain. Allons-y, c'est la foire aux interventions. Le cadre ? Un projet, allons-y, c'est notre projet commun. Slogan que je ne rappellerai pas. Des idéaux, allons-y. Ouais, c'est pas mal. Vivre ensemble, pourquoi pas ? Je n'ose interroger mon collègue IAIPR sur le sujet. Non, vous voyez pas d'autres... Le droit de se demander ce qu'elles sont. La question de ce qu'elles sont, effectivement. Hein, donc l'interrogation et, je veux dire, l'approche critique de ces valeurs, éventuellement. Autre... Non ? Personne d'autre n'a de proposition ? Alors j'essaie de découvrir comment fonctionne ce logiciel. Alors, je me suis moi-même interrogé sur cette question, donc je vais vous partager un peu quelques recherches que je fais en ce moment, avec l'idée que ce soit le plus interactif possible, hein, donc il ne s'agit pas d'un cours magistral que, en tant que professeur, je déteste, donc je suis un mauvais professeur des universités, et on va essayer de réfléchir un peu ensemble, hein, à cette notion, à ce concept qui est, comme l'a rappelé très bien Mathieu Cloué, extrêmement important et en même temps très complexe. Donc pour commencer... Je ne sais pas comment on fait pour défiler, voilà. Je me suis posé la question de savoir, quand est-ce que la notion, elle est devenue une évidence dans les discours en France ? Alors vous diriez quand ? Depuis quand, en France, la notion de valeur de la République est une notion qui est largement utilisée dans les débats, dans les textes légaux, dans les discours publics, dans les pratiques pédagogiques ? Vous diriez quand ? Parce que ça, vous diriez 95. Allez, il y a une date précise, 95. Pourquoi pas ? Et soit dit en passant, c'est pas complètement faux. Oui ? Avant, après, comme à la bourse, ça monte, ça descend ? Personne. Non, personne ne propose une autre date ? Dans les textes plus anciens, dans le discours, beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent, tout à fait. Alors, pour vous donner une idée, voilà un petit comptage que j'ai fait. Donc, je vous passe le calcul, mais c'est assez simple. Sur deux bases de données que je trouvais intéressantes de comparer. Donc, une base de données qui est la base de données des textes numérisés par Google. Donc, je rappelle que Google a les textes dans le monde. Donc, merci Google. Hein, le capitalisme a ses avantages quand même. Et donc, ça nous permet d'avoir le plus gros corpus existant numérisé, hein, donc pour des études. Et ce que j'ai fait, c'est que dans le corpus numérisé par Google, j'ai pris le corpus de langue française. Et donc, ça permet de voir comment évolue la notion dans les textes qui ont été numérisés par Google. Donc, c'est la courbe bleue. Et c'est assez intéressant, vous voyez que la courbe reste quasiment plate jusqu'aux années 80, et à partir de 89, il y a une explosion. Donc au fait, la notion devient beaucoup plus présente dans les publications de langue française. Alors c'est une base 100 en réalité, si j'avais pris les pourcentages réels, ça reste beaucoup plus bas, mais en tout cas vous voyez que ça monte, hein, dans l'évolution. Alors je me suis dit, c'est les bouquins, ce sont les articles, on va voir dans les médias ce qu'il en est. Donc j'ai pris Le Monde, journal de référence, paraît-il, et donc pareil, j'ai fait le même test, hein, j'ai pris les archives du Monde et j'ai tapé Valeurs de la République. Eh bien le résultat est quasiment le même. Il y a un tournant à la fin des années 80 qui fait que cette notion apparaît beaucoup plus. Donc jusqu'aux années 80, ça ne veut pas dire que les valeurs de la République n'existent pas, hein. C'est pas ce que dit ce schéma, mais
c'est une notion qui est assez peu utilisée en fin de compte. Alors soit parce qu'elle est consensuelle, soit parce qu'en réalité on ne se pose pas la question de savoir quelles sont les valeurs publiques, soit parce que c'est évident et donc on n'y revient pas. Mais l'usage augmente très fortement dans les années 80 et 90. Et comme vous le voyez, hein, la montée, elle est quasi continue jusqu'aux années 2010, hein, où ça se stabilise, où ça reste à un niveau relativement élevé. Alors, je me suis dit, d'un point de vue sémantique, bon, on voit que la rupture, elle est assez récente. Qu'en est-il d'un point de vue juridique ? Donc, en gros, dans le droit français, qu'en est-il des valeurs de la République ? Alors, pareil, vous diriez que ce serait quand, le tournant ? À partir de quand le droit français commence à parler beaucoup plus de valeurs de la République ? Personne ne se lance. Dès qu'on parle de droit en règle générale, ça refroidit un peu. Non, personne. Alors, pour vous donner la réponse, j'ai fait donc une autre recherche donc lexicale sur les codes en vigueur. Donc, j'ai vraiment pris la base. Il n'y a aucun texte donc constitutionnel qui définit les valeurs de la République. Ça, c'est assez important. Et donc, je suis descendu en termes de normes de droit auprès des codes de droit en vigueur. Donc, comme vous le voyez, la chronologie est un tout petit peu différée. En 2000-2001, donc pour les codes en vigueur à l'époque, pardon, je vous en prie. Ah, excellent, merci bien. Comme quoi je dois vraiment passer ma certification informatique. Passons. Donc, comme vous le voyez, le total reste extrêmement faible au début des années 2000. Hein, donc, il y a très, très peu d'occurrences dans les codes français en vigueur, dans les versions de l'époque, hein, en matière de valeur de la République. Il y a une montée en 2006. Ça remonte en 2011. Entre 2011 et 2016, ça reste assez stable. Et puis 2016, il y a eu une forte poussée jusqu'en 2021 et ça continue à augmenter. Donc on voit que dans le droit français, hein, on a des augmentations assez, comment dirais-je, régulières du sujet. Alors la question, c'est quel droit, d'après vous ? Parce qu'en fait, il y a deux codes qui contribuent très largement. Le code de l'éducation, effectivement, tout à fait. Et il y en a un autre, et c'est très intéressant, parce que c'est pas un hasard non plus. Donc en fait, cette montée, elle est largement due au code de l'éducation, ça c'est très net, mais il y a aussi un autre code. Non. Et c'est extrêmement intéressant sur la manière justement de penser ces valeurs. Ça aurait pu être le code pénal, effectivement. Non plus. Exactement, le droit des étrangers. Le droit des étrangers. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer. Au fait, le code de l'éducation, c'est en jaune, donc vous voyez que ça fait une bonne partie quand même de l'augmentation depuis, les années 2000. Et en vert, c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et au fait, ce sont les deux codes qui contribuent le plus aux valeurs de la République. Donc ce n'est pas inintéressant. On parle des valeurs de la République pour les élèves et les étrangers. Alors, ce n'est pas du tout une critique ce que je dis. Hein. Au fait, il y a une dimension d'apprentissage, d'intégration qui est commune. Ce n'est pas tout à fait neutre. Enfin, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est intéressant sur la manière, au fait, dont est pensée cette notion de valeur république. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a très peu d'articles qui définissent ces valeurs. Donc, on cite ces valeurs en évidence, mais il n'y a pas d'exception sur le sujet, sur la définition concrète, j'allais dire le périmètre légal, réglementaire de ces valeurs. Donc une fois que une fois que ce constat est fait, ben, passons à la question de la définition. Donc j'ai fait mon petit comptage sémantique et juridique. Je me suis posé la question de savoir comment on définit ces valeurs. Et c'était un peu la question que je vous avais posée et que je me posais moi-même en essayant de me débrouiller avec la commande de Corinne, ici présente. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré toutes mes recherches auprès du Conseil constitutionnel, je n'ai trouvé aucun texte, aucune décision constitutionnelle. Dans la Constitution, il n'y a pas d'article sur les valeurs en tant que telles. Il n'y a même pas d'étude du Conseil constitutionnel sur le sujet. Donc, il n'y a rien au niveau du droit constitutionnel. Donc, je suis allé, j'ai contacté le Conseil d'État. Je leur ai dit, écoutez, je suis un peu gêné. Je suis un universitaire en détresse qui cherche une définition des valeurs de la République. Veuillez m'aider. Et donc le Conseil d'État, très gentiment, m'a renvoyé vers un avis
que je vous ai mis ici, qui est l'avis au fait qui avait été fait sur la loi dite séparatisme, qui d'ailleurs à l'époque devait s'appeler la loi sur les valeurs de la République, et d'ailleurs la loi ne s'est pas appelée loi sur les valeurs de la République à cause de cet avis, dont je vous laisse lire l'extrait, qui est très intéressant. Ce que dit l'avis, c'est que, ok, c'est vrai que dans les codes juridiques, il y a énormément de références aux valeurs de la République. Quand il s'agit du droit de l'éducation ou du droit relatif aux étrangers, on sait de quoi on parle. Donc c'est assez intéressant de voir que l'évidence, elle est propre à certains codes. Mais en règle générale, les valeurs de la République sont beaucoup trop larges pour être un principe de droit. Ce qui est assez intéressant. Donc le Conseil d'État explique quand même qu'en gros, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces. Et donc le Conseil d'État dit, ben, typiquement pour les associations, pour la société civile, pour les codes en dehors de l'école et du droit des étrangers, il serait plus logique de parler de principes. D'où le fait que la loi de 2021 porte sur le renforcement des principes républicains et pas les valeurs. Donc là, pour le coup, on a l'explication du changement de sémantique, valeurs républiques, séparatisme, puis principes républicains. Alors, ça, c'est le cadre global d'un point de vue éducatif. Donc ça a été rappelé, je passe assez vite, bien évidemment. Le code de l'éducation a l'avantage, lui, de définir précisément les choses. Donc là, je passe sur le contrôle des corps d'inspection pour éviter de dire trop de bêtises. Effectivement, on a une définition qui est là, j'allais dire, circonscrite. L'égalité des êtres humains, la liberté de conscience et la laïcité. Et si on descend au niveau du réglementaire, donc des arrêtés, des décrets, des circulaires, on a même une définition qui est encore plus précise, puisque là, on a le triptyque républicain, ce que vous aviez cité, la laïcité et le refus des discriminations. Ce qui, soyez en passant, est intéressant, parce qu'au fait, ce sont des éléments juridiques de dates très différentes. Je rappelle, par exemple, que le premier article sur les discriminations en France, c'est 94 dans le code pénal. C'est l'article 225.1 du code pénal qui n'existe pas avant 94. Donc il y a vraiment des échelles de temps qui sont assez différentes dans ces valeurs. Alors, dernier élément, en gros, concrètement, comment on peut enseigner ou former à ces valeurs? Et donc là, je vais me permettre de parler de mes travaux de recherche, un peu plus précisément sur les questions de laïcité. Alors, ça a été un peu abordé par Mathieu Clouet, et qui l'a dit vraiment avec beaucoup de clarté. Vous verriez quoi comme enjeu pour former, enseigner aux élèves le principe de laïcité? Voilà, vous devez faire une séquence, une séance, je ne sais pas, sur la laïcité. Vous avez mis un vaste débat, certes, mais le 9 décembre approche, vous serez peut-être appelé à le faire. Ou les élèves vous poseront la question, je ne sais pas. Oui ? Savoir et croire, effectivement, d'accord. Donc il y a des croyances et des connaissances. Non, pas d'autres. Le sujet vous laisse. Quoi ? La liberté religieuse, donc la liberté de croire et ne pas croire, effectivement. Oui, donc l'approche historique, effectivement. Il y a quelques historiens dans la salle, donc ils ne vont pas être contre. Non, pas d'autres, pas trop d'approches. Oui. Oui, effectivement. Ben pourquoi la laïcité scolaire, hein. C'est vrai que c'est un enjeu important. Donc, pour réfléchir un peu, donc là, c'est tiré d'un article que j'ai fait, qui est en ligne, si ça vous intéresse, par ailleurs. Je me suis amusé, j'ai pas que ça à faire, mais pour le bien de la recherche, en quelque sorte, je me suis intéressé au programme scolaire d'élémentaire et de collège depuis les années 70, en histoire, géographie et éducation civique, enfin, peu importe le nom de cet enseignement civique, qui a changé dans le temps. Et donc j'ai relevé les occurrences du mot laïcité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve à peu près la même chronologie que pour les valeurs de la République. La notion de laïcité est quasiment absente des programmes scolaires jusqu'aux années 80.
En fait, c'est une non-notion hein, en école et en collège. Alors, la seule notion, elle apparaît donc en 85, lorsque Jean-Pierre Chevènement rétablit l'instruction, enfin, l'éducation civique dans le premier degré, puis en collège. Et d'ailleurs, c'est une petite erreur techniquement, mais je pense que les historiens doivent hurler à chaque fois qu'ils voient ces programmes, puisque le programme dit que Jules Ferry crée une école primaire gratuite, obligatoire et laïque. Elle n'est ni obligatoire ni laïque, hein, mais bon. Personne ne regarde les textes, donc c'est pas très grave en tant que tel. Hein, je rappelle que les programmes de Jules Ferry, hein, qui ont été faits après la loi, incitent les devoirs envers Dieu, donc en matière de laïcité, bon, on repassera. Plus sérieusement, donc je passe de côté, en plus c'est pas bien de parler des morts, hein, enfin, paix à l'âme de Jules Ferry. Plus sérieusement, ce qui est assez intéressant, c'est pourquoi ça monte à partir des années 90 ? Pourquoi, à un moment donné, les pouvoirs publics se sont dit il faut plus de laïcité dans les programmes scolaires, d'école et de collège ? Parce que là, on voit une rupture. Oui ? Oui, l'affaire du voile, Creil. Alors, on aurait pu dire, dans ce cas-là, ça aurait pu monter dès 89. Mais si vous avez raison, on peut imaginer que ça prend quelques années pour réécrire les programmes. Oui, effectivement, on peut dire l'affaire de Creil, autre chose ? Exactement. En fait, c'est ça qui va jouer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va monter le nombre d'occurrences de la notion de laïcité au moment où il faut expliquer aux élèves pourquoi, potentiellement, les signes religieux ostensibles vont être interdits. Et donc, il y a une question concrète, hein, c'est comme on dit aux élèves, ta petite camarade, ton petit camarade peut éventuellement être convoqué, voire exclu, si la personne persiste, en cas de port de signes religieux ostensiblement religieux, pour être plus précis. Et donc, ça va être vraiment un élément moteur. Donc, ça explique la première montée dans les années 90, et ensuite, on voit une stabilisation jusqu'aux années 2010, hein, où les programmes issus de la loi Peillon parlent beaucoup plus de laïcité. Donc, si on mesure, hein, un élève qui a été scolarisé dans les années 70-80 n'a quasiment jamais vu la laïcité en école primaire et collège. Un élève qui est scolarisé depuis la loi Peillon le voit à peu près 13 fois. Donc on voit vraiment l'évolution, hein, c'est très impressionnant, j'allais dire, sur le caractère spiralaire répété du sujet. Alors si on creuse un peu dans les archives, ce que j'essayais de faire, eh bien on se rend compte que c'est effectivement cette nécessité d'expliquer les règles qui a beaucoup pesé sur l'émergence du principe de laïcité. Donc en 94, lorsque le Conseil national des programmes, donc c'est le CNP, c'est l'ancêtre du CSP actuel, donc c'est l'organisme qui écrivait les programmes à l'époque, enfin, ou du moins qui dirigeait l'écriture des programmes. Et le CNP, donc, qui réfléchit à comment retoucher les programmes de collège, dit « Attention, on prend souvent la laïcité comme étant une suite d'interdits, ce n'est pas forcément la bonne manière de le prendre. » Donc, ce que disait Mathieu Cloué, hein, et c'est une idée qui est importante, hein, de rappeler. Et donc, il convient absolument que la laïcité, hein, soit vue comme un principe et comme une valeur. D'ailleurs, vous voyez que les deux mots apparaissent, principe et valeur. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on est à une époque où on est quelques semaines après la circulaire de Bayrou et il faut absolument expliquer aux élèves pourquoi donc les règlements intérieurs d'établissement scolaire ont été changés sur la question des signes religieux ostensibles. On retrouve cette même idée dans un texte d'analyse d'Alain Bergogneau, donc à l'époque qui est inspecteur général d'histoire-géographie, et Jacqueline Costa-Lascou, donc qui est politiste, et à l'époque à la Ligue de l'Enfant, donc qui avait été chargée par le CNDP, donc c'est Canopé aujourd'hui, de faire un petit texte sur les questions de laïcité en collège. Donc c'est un des premiers textes que j'ai trouvé sur la pédagogie de la laïcité. Et eux sont encore plus directifs, ils disent « Attention, on a un gros problème chez les élèves, que les élèves ont l'impression que la laïcité, c'est contre l'islam. » C'est ce qu'ils disent très clairement. En gros, les élèves, notamment de culture musulmane, hein, ont l'impression que la laïcité, c'est un peu contre eux. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que l'enseignement de la laïcité, c'est là pour, en quelque sorte, déconflictualiser, si on peut prendre un néologisme, je veux dire, cette opposition, et déconstruire, hein, des oppositions qui sont en réalité factices. Et donc, le souci d'éduquer à la laïcité, on voit bien qu'il est double, hein, c'est expliquer le principe
et la valeur, hein, c'est, je vais dire, le principe de la pédagogie, et en même temps, c'est un peu la fonction latente, en quelque sorte, éviter, j'allais dire, une opposition, hein, entre certains groupes d'élèves et le principe laïque, hein, qui serait vu comme étant stigmatisant, offensant, etc. Alors, pour finir, je suis désolé, j'aime beaucoup les graphiques, hein, vous aurez compris, c'est mon petit péché mignon. Mais ils sont simples. Hein. J'ai fait Pierre, Mathieu, Chloé, je pense, pour en témoigner. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? On a mesuré, parce qu'on dit très souvent que les élèves n'apprennent rien, que le niveau baisse, enfin, vous savez que le niveau baisse depuis l'Antiquité au moins, et que les prix montent depuis l'Antiquité, hein. Enfin, je pense que depuis Platon, l'inflation et la baisse du niveau, ça sera un classique. On a mesuré auprès des élèves de 3e et de terminale leur connaissance du principe de laïcité. Le CNESCO, donc, c'est un organisme public, hein, donc, qui a fait un travail extrêmement sérieux auprès de milliers d'élèves. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que eh bien, les enseignants font leur boulot en réalité. Ils font largement leur boulot, et plutôt bien. Et on se rend compte que 90% des élèves de 3e ont déjà abordé la laïcité en cours. Et qu'on leur demande, eh bien, globalement, ils maîtrisent plutôt bien la notion. Et probablement d'ailleurs beaucoup mieux que ma génération à moi. Hein, je commence à être un peu âgé, mais moi en cours, je n'ai jamais vu ça. Et en terminale, c'est pareil. On se rend compte que 80% des lycéens ont abordé le principe de laïcité à un moment donné. Donc, en quelque sorte, on a une vraie installation de l'éducation à la laïcité. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette installation, elle est véritablement suivi et d'une maîtrise réelle du principe par les élèves. Donc, encore une fois, ce qui se fait en classe est plutôt efficace en la matière. Alors, pour conclure, et pas être trop long, trois éléments de conclusion, hein, mais qui sont laissés à votre comment dirais-je, appréciation. Les valeurs de la République, c'est une notion récente en réalité. C'est une notion récente d'un point de vue sémantique, c'est une notion récente d'un point de vue juridique. Hein. En réalité, le tournant est assez contemporain, hein. Ce sont les années 80-90, où aussi bien d'un point de vue du discours public que du point de vue juridique, que du point de vue réglementaire, on a essayé à la fois de plus parler et de définir cette notion qui est par définition indéfinissable. Les valeurs de la République, elles évoluent. Hein. Il est évident que, par exemple, la lutte contre les discriminations sont vues comme une évidence aujourd'hui, et tant mieux. Il y a 30, 40, 50 ans, ce n'était pas le cas. Pareil, pour l'égalité femmes-hommes, ce n'était pas forcément une évidence, hein, lorsque les Républicains avaient écarté les femmes du droit de vote. Donc c'est vrai que, pour le coup, les valeurs évoluent, et c'est normal. La République, hein, comme ça a été rappelé, elle s'auto-reconstruit, elle se reconstruit en permanence. Hein. C'est une pierre brute, hein, qu'on va reconstruire, j'allais dire, de manière tout à fait continue. Le deuxième point fondamental, c'est que, et c'est un choix du législateur, on n'a jamais eu de texte constitutionnel qui définit les valeurs de la République. Donc si, au fait, les élèves posent un jour la question des valeurs, bah, c'est compliqué. Effectivement, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Ces valeurs, on peut les définir dans un cadre d'un code, on peut les définir dans un règlement, mais comme elles évoluent, par définition, elles vont s'enrichir de nouvelles valeurs. Pensez, par exemple, à la montée positive en soi, de la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre les LGBT-phobies, par exemple, qui sont effectivement des notions assez récentes, hein, en termes historiques et juridiques. Troisième point, si on prend l'exemple de la laïcité, c'est l'enjeu central, ben, pour nous, enseignantes, enseignants, formatrices, formateurs, quels que soient nos grades et qualités, du refroidissement didactique. En quelque sorte, on n'est pas là pour souffler sur les braises, pour provoquer les élèves. Enfin, je ne crois pas que ce soit vraiment pédagogiquement intéressant, même si parfois il y a des choses qu'il faut rappeler de manière ferme sur les valeurs et les principes. Les valeurs de la République, ce n'est pas quelque chose qu'on va asséner, parce qu'effectivement, l'expérience de vie des élèves peut, dans ce cas-là, être un blocage en la matière. Il est important de partir aussi d'un point de vue positif. Les valeurs de la République, ça protège quand même. Ça permet à chacun de discuter, et éventuellement, ça a été rappelé durant la discussion, de les discuter. On peut imaginer effectivement une approche critique, hein, de ces valeurs de la part des élèves, qui serait tout à fait légitime dès lors que le débat est entre guillemets cadré et légitime. Voilà, je vous remercie de votre attention et à vos questions éventuelles. Je me permets juste de souligner que le support sera mis à disposition, hein, bien évidemment. Comme je vous ai vu prendre des photos alors que je ne suis pas rasé, rassurez-vous, il y aura le support. On va
va prendre 5 minutes de questions puisqu'on est un petit peu court sur le temps. Vous pouvez garder la suite de vos questions pour cet après-midi puisqu'il y a une table ronde. Et pour les personnes qui sont à distance sur YouTube, on prendra les questions aussi à ce moment-là. Du coup, faites-nous signe si vous souhaitez interroger Ismaël ou Mathieu. Bonjour, je me lance. C'est une question pour Ismaël. Je me demandais, effectivement, je peux me permettre de te tutoyer. Ton intervention me faisait penser aux travaux des juristes, notamment de Gwenaël Calves, qui décrit en fait le fait d'un manque du code de la laïcité qui aussi nous empêche de nous retrouver dans la définition de ce terme. Et je me demandais si je trouvais ça intéressant les recueils que tu avais faits sur les textes. Je me demandais dans les arrêts du Conseil d'État, notamment par rapport à des affaires dans l'ordre scolaire, il y avait ce syntagme de valeur de la République qui était mentionné, même si j'ai bien compris qu'il n'avait pas été défini, mais est-ce qu'il est mentionné ? Alors je vais parler sur le contrôle de Mathieu Clouet qui va mettre une réponse plus claire que moi. Dans les arrêts du Conseil d'État, j'ai repéré au fait des définitions plus précises lorsqu'il s'agissait d'expulser des étrangers qui attentaient aux valeurs de la République. Donc là, pour le coup, ce n'est pas des affaires en matière d'éducation, mais plutôt des affaires en matière de droit d'asile ou en matière de droit des étrangers, où parfois des étrangers étaient expulsés parce qu'au fait, ils étaient vus comme étant problématiques vis-à-vis des valeurs de la République. Et donc le Conseil d'État, il précisait au fait pourquoi il acceptait ou il rejetait la décision d'OQTF ou la décision de non-attribution d'une demande d'asile. Mais en matière d'éducation, je pense qu'il y a eu des études ou des avis du Conseil d'État, mais jamais de décision sur les valeurs de la République en matière scolaire, s'entend. Donc en matière de droit d'étranger, ça, c'est sûr. Mais là, je laisse Mathieu Clouet peut-être préciser, je ne sais pas si tu sais. Non, à ma connaissance, non, il n'y a pas de définition dans les arrêts du Conseil d'État. Ce qu'on peut y trouver parfois, ce sont des précisions sur la façon dont ça se décline, notamment dans l'institution scolaire. Le lien avec l'assiduité scolaire, par exemple, ça on peut le trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allô. Vous avez parlé de territoire, en tout cas en France métropolitaine, et je me posais la question par rapport aux écoles françaises, justement à l'étranger, pour parler de cet aspect de laïcité. On est certains à être du parcours international, donc on a été notamment dans des écoles françaises, pour ma part, à Tokyo, et l'apprentissage de l'histoire avec des CM1. Sur les rois de France, donc notamment Louis IX, ça les a beaucoup beaucoup questionnés, et parce que le Japon est très ouvert à tous les aspects religieux, donc ils disent, je sais plus dans quel ordre c'est, mais en tout cas ils naissent shintoïstes, ils se marient catholiques et ils meurent bouddhistes, et donc il y a tous ces aspects là de savoir, par exemple dans certains pays ça peut être l'apprentissage de la laïcité, l'éducation de la laïcité peut pas forcément poser problème, mais être difficile à appréhender pour certains publics. Donc pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter l'apprentissage de la laïcité, des valeurs de la République dans un établissement français à l'étranger ? Alors c'est vrai que ça peut être plus compliqué dans le sens où les référents culturels ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais en même temps, quand on parle, je ne sais pas moi, de Charlemagne, un élève de 5e, je sais pas moi, de la Vénois, de la métropole, du littoral, je ne suis pas sûr que les références soient immédiatement accessibles non plus. Donc il y a sans doute des éléments à convoquer qui sont spécifiques. Je crois que les fondamentaux restent quand même les mêmes. Et il y en a notamment un qui est de faire comprendre aux élèves qu'en fait la laïcité en France, d'abord, ça n'est pas une espèce de tropisme d'un village d'irréductibles gaulois qui voudrait faire différemment des autres. C'est l'incarnation
d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles en réalité. Quand on parle de liberté, quand on parle d'égalité, de respect de la dignité humaine, c'est pas français. Bon, c'est beaucoup plus large que ça. Mais ça s'est traduit dans notre communauté civique sous l'angle des valeurs de la République parce que notre histoire nous a conduit à les cristalliser de cette façon-là. Donc il y a sans doute cela à prendre en considération, le fait qu'il y a des histoires différentes d'un pays à un autre, et donc ça donne des formes de cristallisation différentes de valeurs qui sont des valeurs qu'on peut retrouver un peu partout. Et puis la deuxième chose, c'est de faire comprendre que, en fait, la laïcité en France, ça n'est pas l'hostilité aux croyances religieuses. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que c'est souvent ce que des élèves, et notamment des élèves qui sont à l'étranger dans d'autres univers culturels, peuvent avoir à l'esprit. C'est vrai au Japon, c'est très vrai aussi en Amérique du Nord, où beaucoup d'élèves disent, alors non pas que c'est contre les religions, mais que c'est contre les identités. Et donc il y a ce piège-là à éviter. Nous sommes coincés aujourd'hui entre une forme d'affirmation religieuse et d'affirmation identitaire. Et faire comprendre ce que disait Ismaël, hein, que nous ne sommes pas un dispositif ni de répression, ni d'oppression, mais simplement d'émancipation. C'était juste... Alors le cas du Japon est intéressant parce que le Japon est un des rares pays qui a une séparation, dans mes souvenirs. Alors j'ai oublié le terme japonais, ce qui est en deux mots, mais les écoles japonaises sont pour le coup parfaitement sécularisées, ce qui est intéressant. Il y avait eu une affaire en 2007 du lycée Voltaire, me semble-t-il, à Doha, où là, pour le coup, la question des supports éducatifs avait posé problème, puisqu'il n'y a pas de séparation entre religion et pouvoir public à Doha. Et donc la question des contenus d'enseignement ou des manuels scolaires avait été posée dans ce cas-là. Donc ça dépend beaucoup du contexte local, tout simplement. Dans un pays qui connaît un principe de séparation, une grande sécularisation, la différence avec la France n'est pas énorme en réalité. Dans des pays où le religieux est légal, c'est sûr que ça change les choses, surtout pour les contrats locaux. C'est sûr que pour les enseignants statutaires qui sont à l'AEFE ou à la mission laïque française, ils sont quand même tenus par leur statut. Pour les contrats locaux, c'est vrai que la situation est parfois compliquée quand ce sont des enseignants qui enseignent dans des écoles locales et qui sont habitués, par exemple, à faire des cours de religion. C'est sûr que les écoles des réseaux français, c'est beaucoup plus complexe de faire comprendre la non-existence de cours à caractère religieux ou à caractère de promotion religieux. Voilà, c'était juste la remarque en ajout. Merci beaucoup. On va arrêter les questions pour ce matin. On pourra les reprendre à l'issue de la table ronde cet après-midi, puisqu'on va donner là la parole à Elena Salazar, qui est facilitatrice graphique à Bienfait pour ta com, et dont vous voyez le travail réalisé, enfin la synthèse visuelle réalisée au fil des prises de parole. C'est un exercice qui est pas simple. Hein. Ça veut dire réussir à prendre en compte toutes ces informations et à les traduire en direct. Donc Elena va nous faire une synthèse rapide de ce qui a été dit ce matin. Oui, alors du coup je vais faire dans l'ordre antichronologique, je ne sais plus comment on dit. Donc je vais partir de la dernière intervention. Donc à gauche, vous voyez cette idée que les valeurs de la République sont une ou des notions récentes. D'ailleurs, ça serait une question à poser. Est-ce que c'est un concept, les valeurs de la République ? Est-ce que c'est des... Enfin bref. Donc un personnage qui, c'est une évidence sémantique, depuis 1989, la constitution qui dit « rien chez moi » et les codes de l'éducation des étrangers chez nous depuis 2011, le Conseil d'État qui dit « parlons plutôt de principes ou laissons ces notions ouvertes ». Voilà, puisqu'elles sont évolutives, donc en fait on part un peu de la devise liberté, égalité, fraternité, puis vient se rajouter la laïcité, puis comme vous l'avez dit, refus des discriminations, et peut-être bientôt d'autres. Voilà, j'en ai pas rajouté, mais j'ai quelques idées. Et donc ce sont des notions à partager, puisque depuis 1990, avec la circulaire Bayrou, il y a eu pas mal de questionnements, peut-être de, comment on appelle ça, la nécessité, en tout cas, de ce que je mets d'objectif, d'expliquer pour éviter les conflits, mais aussi, là c'est un peu l'ouverture de votre conclusion, de partager une vision positive de ces notions. Et je me suis permis de rajouter, ce n'est pas un dispositif de répression, mais d'émancipation. Et voilà, c'est ça un peu l'idée de partager une vision positive des valeurs, et notamment de la laïcité. J'aime bien, j'ai noté les petits personnages qui disent « Encore, mais ça fait 13 fois déjà qu'on en parle !» Et puis un autre qui dit « Oui, puis on maîtrise plutôt bien la notion selon les chiffres. » Je vais essayer de passer à la slide...
sur cette intervention donc, de Mathieu Clouet. Bon, on part du réel, hein, on parle du pudding, ce réel qui n'est pas trop, enfin, qui a un contexte pas trop favorable, mais un personnage qui dit mais c'est pas nouveau en fait, hein, voilà, peut-être qu'effectivement la négativité fait partie du réel et voilà, c'est, il faut vivre avec ça. Mais néanmoins, on peut quand même avoir un idéal qui s'appelle les valeurs de la République. Un idéal qui est aussi un projet qui réunit une communauté, voilà, une communauté civique française qui s'appuie sur la raison pour passer au crible différents éléments. Bon, j'ai dessiné une patate, ça aurait pu être un pudding ou autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement et qui refuse, qui accepte pas, en fait, ce réel, enfin, certains aspects de ce réel qui se bat pour autre chose. Et donc, pour passer du réel à cet idéal, former, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, amener les jeunes, les élèves vers cette vision, ce projet d'hommes et de femmes. On peut s'appuyer sur une approche citoyenne à l'école qui s'appuie sur la pensée critique, la liberté et qui passe par certaines étapes comme l'approche intellectuelle. Alors j'ai dessiné un personnage qui dit « je me sens puissant, j'ai appris quelque chose » parce qu'effectivement, l'apport de connaissances, on se rend toujours compte qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus intelligent, plus fort et que c'est génial quand on comprend. Et puis c'est aussi un besoin d'éprouver les valeurs en classe où elles doivent devenir réalité. Alors, j'ai pas eu le temps de noter un peu les différents moyens de les rendre concrètes, mais voilà, jusqu'à ce que cet élève qui dit « moi aussi je veux m'engager pour notre République », c'est peut-être pas la bonne formulation, mais en tout cas c'est l'idée que voilà, cette approche citoyenne permet de s'approprier réellement les valeurs de la République au quotidien. Bon, je sais pas si j'ai encore une minute. Ouais, une minute pour juste reprendre les propos introductifs. Je me suis dit, tiens, l'école, un territoire vivant au cœur des valeurs de la République, donc j'ai imaginé une école qui est sur un territoire qui bouge, voilà, peut-être un petit peu, voilà, où il se passe des choses, où ça cogite, etc. D'un côté, on a cette origine 1789, avec au cœur la devise républicaine et la première mission du Code de l'éducation qui est de transmettre ses valeurs. Donc c'est cette transmission au sein de l'école qui permet, à nouveau on voit une espèce de boucle vertueuse, qui permet aux jeunes citoyens de devenir citoyens et s'intégrer dans la communauté au sein de la République. « Ça y est, je suis émancipée », dit cet élève. Et à gauche, on voit que l'actualité vient perturber, vient faire basculer ce territoire. Donc voilà, donc il y a peut-être, enfin du coup là en voyant ce dessin, je me dis il y a peut-être des choses à rééquilibrer, je sais pas. Voilà, c'est un peu ma vision des choses aujourd'hui.